Ainsi parle le Seigneur. Votre salut est dans la conversion et le repos. Votre force est dans le calme et la confiance. Nous nous sommes arrêtés en ce milieu du jour pour nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Que par son esprit, cette parole convertisse notre cœur, qu'elle apaise toute inquiétude et nous fasse grandir dans le calme et la confiance. Amen. Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous pour ce temps de halte, de prière, de méditation. Et nous continuons, jeudi après jeudi, notre lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Et nous en sommes à ces fameux passages du Sermon sur la montagne. Mais d'abord, nous prions. Dieu du temps et de l'histoire, des commencements et des résurrections, Dieu de la mémoire et de la promesse, enseigne-nous à vivre avec et dans le temps, à l'accueillir comme un cadeau de toi. Seigneur notre Dieu, toi qui as du temps pour nous, apprends-nous à toujours prendre le temps pour toi. Toi qui tiens dans ta main ce qui a été, ce qui est et ce qui sera, donne-nous de tenir entre nos mains notre temps dispersé. Donne-nous de tenir le passé sans être tenu par lui, de vivre de mémoire et de reconnaissance et non en nostalgie, d'être fidèle sans être rigide. Car tu es un Dieu qui a parlé dans le passé avec tant de vie et de force que les histoires de témoins en sont devenues des ancres pour nos navires déboussolés, des cartes pour nos itinéraires incertains. Donne-nous de tenir le présent sans être absorbés par lui. Enlève de nous le souci de l'ailleurs et de l'autrement. Donne-nous la saveur de l'ici et du maintenant. Car tu es un Dieu qui parle dans le présent, pour peu que nous sachions nous taire et écouter. Donne-nous de tenir l'avenir sans le redouter ni le convoiter. Enlève de notre avenir le souci inutile, car tu es un Dieu qui parlera encore demain et jusqu'à la fin des temps. Grâce, oui, grâce te soit rendue, Seigneur notre Dieu. Amen. Je vous invite à chanter le cantique du psaume 42-43, que vous avez en bas de votre feuille. Nous chantons les strophes 1 et 5.
Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 6. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils ne massent point dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et qui d'entre vous peut, par son inquiétude, prolonger tant soit peu son existence? Et du vêtement, pourquoi vous inquiétez? Observez les lys des champs, comme ils croissent, ils ne peinent ni ne filent. Je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant, qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, de quoi allons-nous nous vêtir? Tout cela, les païens le recherchent sans répit. Il sait bien, votre Père céleste, que vous avez besoin de toutes ces choses. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétons donc pas pour le lendemain. Le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Conscience de l'avenir est probablement une des marques distinctives de l'être humain par rapport aux autres créatures. Nous savons qu'un avenir nous attend, mais il est par définition incertain. Et donc il nous interroge, ou attise notre curiosité, ou peut-être même notre crainte. Et la question est d'autant plus inquiétante que la question même de l'avenir du monde aujourd'hui nous est sans cesse rappelée par les dérèglements climatiques, par la capacité que l'être humain s'est donné de détruire notre avenir. Alors quel avenir proposons-nous? Mais cette question si vaste, ou plutôt à cette question si vaste, s'ajoute aussi la question beaucoup plus petite de mon avenir personnel. Comment serai-je demain, dans 10 jours, dans 10 mois, dans 10 ans? Combien de temps me reste-t-il avant ma mort? Depuis le jour de ma naissance, je sais qu'un jour je mourrai. Alors faut-il redouter cet avenir? Lorsqu'on voit aussi la difficulté de la vie, maladie, les soucis, la précarité, les difficultés dans les relations, que sais-je, il n'est pas facile d'entendre le message d'aujourd'hui. Ne vous faites pas de soucis. Il y a du reste, dans ce message, un risque d'une forme de confiance aveugle.
de fatalisme, en quelque sorte. Tout serait écrit. Tout est prévu. Nous n'avons rien à faire. Faire confiance et attendre? Non. Car cet appel à la confiance, à ne pas se faire de soucis, est combiné avec cette demande insistante de rechercher d'abord la justice. Ne pas se faire de soucis, faire confiance, ce n'est pas attendre sans rien faire, bras croisés. La confiance nourrit l'action. Alors si l'au-delà n'appartient qu'à lui-même, et que nous ne maîtrisons effectivement pas notre avenir, ce qui peut nous arriver, Dieu soit loué. Notre avenir immédiat fait partie de cette trilogie passé, présent, avenir. Il faut vivre au présent, nous dit l'Évangile. Vivre au présent sans nostalgie ou culpabilité par rapport au passé, mais sans négliger pour autant d'où nous venons, nos racines. Et il nous faut vivre au présent sans angoisse face à l'avenir, rejetant au loin toute forme de quiétisme ou d'insouciance qui nous ferait négliger notre responsabilité face à l'avenir. Il faut donc apprendre à vivre pleinement le temps présent sans angoisse, mais en responsabilité. Comme le passé, l'avenir ne doit ni envahir le présent, ni en être absent. Et ce qui me permet de tenir cet équilibre entre passé, présent et avenir, c'est précisément la confiance fondamentale à laquelle Dieu m'invite. Cette confiance me permet de cesser de me préoccuper et de perdre du temps et mon énergie pour des réalités pour lesquelles je n'ai de toute manière pas de prise, afin alors de garder un esprit libéré et confiant pour affronter le temps présent et préparer en responsabilité l'avenir. Oui, Dieu nous invite à vivre au présent. Mais par respect pour le cadeau du temps que Dieu nous renouvelle à chaque instant, il nous faut, dès aujourd'hui, œuvrer pour que notre avenir, pour la part sur laquelle nous avons prise, ne soit pas hypothéqué par notre insouciance ou notre irresponsabilité présente. Le reste appartient à la grâce de Dieu. Et nous pouvons donc affronter le temps présent avec cette confiance que demain, Dieu sera avec nous comme il l'a été hier et l'est aujourd'hui. Amen.
Grâce te soit rendue, Seigneur, pour ta présence dans le quotidien de notre vie, dans notre présent. Tu nous regardes comme un Père aimant, et c'est pourquoi c'est avec confiance que nous pouvons déposer nos joies et nos peines, nos questions et nos soucis pour trouver auprès de toi la force et la confiance. Toutes nos prières, nous les réunissons maintenant dans celles que ton Fils nous a enseignées. Et nous voulons te dire la même chose. Notre Père, qui es aux cieux, ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous propose de chanter le cantique qui est au dos du feuillet, un cantique du temps de la Passion. Et nous approchons vraiment de plus en plus de ce temps-là. Alors, voilà ce cantique. Seigneur, tu viens, mais cela ne suffit pas. Seigneur, tu frappes à notre porte, mais cela ne suffit pas. Il faut encore que nous t'entendions, que nous te trouvions. Il faut encore que nous t'ouvrions. Seigneur, être croyant, c'est un peu être chercheur, être explorateur d'un inconnu qui se donne. C'est aller de question en question. Nous sommes partis à ta recherche, Seigneur,
aide-nous à te trouver toujours davantage dans le présent, dans le calme et la confiance. Amen. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit nous gardent et nous conduisent dans sa paix.